Régis Ouvrard, le distillateur. Ben, j'ai toujours connu l'alambic depuis que je suis tout petit, parce que je suis là-dedans. Mon père était distillateur, qui lui était fils de distillateur, donc trois générations. Oui. Le bouilleur de cru, c'est celui qui vient distiller. Et moi, je suis le bouilleur de cru ambulant pour pouvoir distiller. C'est-à-dire qu'ils ont, droit maintenant à distiller en payant des taxes à l'État, les taxes sur les alcools. Nous, on retransmet des documents aux douanes pour payer ces taxes-là, qui avant n'existaient pas parce que c'était des privilèges. Ils avaient droit à 1000 degrés, sans taxes. Là, je travaille avec un alambic qui fabrique de la vapeur pour faire l'eau de vie. Ensuite, je récupère cette vapeur. Ici, c'est le manette de réglage de débit de vapeur pour envoyer dans la matière première qui se trouve dans cette cuve. Cette cuve est entièrement en cuivre. À l'intérieur, la vapeur rentre dans le bas de la cuve, dans une croix, avec des petits jets, des petits trous sur chaque bras de la croix pour faire tourner le produit, malaxer le produit pendant tout le temps de la chauffe. Parce que certains produits, notamment les prunes, les poires, ont besoin d'être malaxés pendant pour sortir, tout l'alcool, surtout les arômes des fruits. Ensuite, en chauffant, bien sûr, la première partie qui monte, ben, c'est l'alcool, parce que les vapeurs d'alcool sont plus légères que les vapeurs d'eau. On passe dans le serpentin, le col de cygne, qui va dans une première colonne de rectification des alcools, système de plateau, etc. Bon, c'est un peu technique. Ensuite, on repasse dans une autre colonne de rectification d'alcool pour enlever des impuretés. Et en dernier lieu, on monte. Là, ce sont deux bacs pleins d'eau. Et on a un serpentin. Dans la première partie, c'est là que se fait l'alcool. C'est-à-dire que toutes ces vapeurs qui montent dans la tuyauterie sont refroidies et la fabrication d'alcool est faite et encore, bien sûr, très très chaude. C'est surtout le bac bio. Et le refroidissement se fait ici dans cette partie-là, qui est plein d'eau aussi, d'eau très froide, pour arriver ici en alcool qui théoriquement doit tourner dans les températures de 15 à 20 degrés, c'est ce que nous avons actuellement. Surtout éviter de monter en température, car si on a des températures assez élevées, la qualité de l'alcool s'en ressent énormément. Les parfums sont figés dans les bas degrés de la température. On fait les degrés d'alcool en fonction de ce que je demande à chaque fois, son degré d'alcool, voilà, et puis bon, beaucoup c'est de... Si c'est en eau de vie de bouche, on tourne aux alentours de 50 degrés, c'est bien, même un petit peu en dessous si possible pour avoir plus le parfum que de l'alcool en bouche. Après, si on veut faire des apéritifs, je conseillerais plus aux alentours de 55, voire même 60 degrés, parce que bon, c'est un support pour faire un apéritif et on recherche plutôt les parfums du produit qu'on met en annexe, disons, pour faire son apéritif. Genre dans la région, on fait l'épine, on peut faire du pinot, enfin, ou des ponches aussi. Il y en a, c'est plus des œufs de vie maintenant comme on va voir autrefois. Quand on distillait, les anciens, c'était pour pas que ça se perde. Donc on prenait les produits, les sous-produits du vin, les mares, les lies, etc. Les fruits qui, parce qu'on en avait assez pour le stockage de la maison, pour les tartes et puis les bocaux, eh bien, on distillait avec. Mais maintenant, on recherche la qualité, c'est-à-dire qu'on va planter des arbres fruitiers, par exemple de la poire ou liane, ça peut être de la prune, ça peut être des cerises, ça peut être des groseilles, etc. pour se faire des petites eaux de vie de bouche, pour se faire plaisir. J'ai repris, disons, cette affaire de distillation.
que je connaissais pas, enfin je connaissais juste de par la famille, mais pas professionnellement. Et j'ai repris ça en 1988. Et puis voilà, je suis toujours dedans. Ma retraite a commencé l'an dernier, au mois de février. Mais bien sûr, comme beaucoup diront, ben pour arrondir les fins de mois, bon, on continue encore un petit peu. Ça va toujours un peu en baissant. Mais je fais partie du syndicat des distillateurs ambulants de la France. Et nous avons bon espoir, disons, de continuer le métier sous d'autres façons. Parce que, comme nous, dans notre région, nous n'avons plus de vignes, mais nous avons des arbres fruitiers. Et toute personne... On incite surtout les jeunes maintenant à distiller, c'est-à-dire à, quand ils ont une petite propriété à eux, ben, de planter quelques arbres de fruitiers, ne serait-ce que d'avoir à partir de 50 kilos de fruits de leur récolte, bien sûr. C'est toujours intéressant de faire son produit personnel.